Dja Dja. Y'a pas moyen, Dja Dja. T'es bien renseigné, toi. Et salut à tous et à toutes, mesdames, messieurs, nous sommes de retour sur Fortnite pour faire une nouvelle game. Et cette fois-ci, mesdames, messieurs, dans cette game, nous allons tout simplement tenter un nouveau défi, mesdames, messieurs. Nous allons tout simplement essayer de faire top 1 avec une seule arme, mesdames, messieurs. Alors oui, après avoir essayé de faire top 1 avec zéro arme, hein, il faut savoir qu'on a réussi. D'ailleurs, c'est un mensonge, on a malheureusement pas réussi, mais on a quand même fini top 3, mesdames, messieurs. C'était déjà pas mal. Bon, certes, on a fait aucun kill parce que malheureusement, on n'avait pas le droit d'utiliser des armes. Mais bon, on a quand même essayé de tuer quelqu'un avec la pioche. Mais bon, ça s'avérait compliqué, surtout quand on arrivait vers les 5 derniers plutôt. Donc on va essayer de faire top 1 cette fois-ci avec quand même un petit peu, voilà, une seule arme de quoi se défendre, hein, finalement, parce que sinon ça va être un petit peu compliqué, tu vois, un petit peu le délire. Donc on va voir ce que ça donne. Alors je sais pas si on va y arriver honnêtement, parce qu'une seule arme c'est quand même un petit peu chaud, parce que ça veut dire qu'en gros, j'ai le droit qu'à une seule arme, quoi, hein, tout simplement ça s'arrête là. Alors là il y a un coffre, donc on va aller voir, c'est pas un coffre ça. Ah, je vous baise en fait. Ah bah c'est bon, il y a un coffre là. Alors j'espère qu'il va me donner une très bonne arme. Oh putain, j'aime pas ces armes là, oh, je déteste ça. Bon, écoutez, on va essayer de trouver une autre arme. Parce que c'est genre, ah pff, ouais, mais ça c'est pas une arme de fou ça. Ah punaise, c'est de la merde. Il me faut une autre arme. Ah voilà, voilà, on va essayer de faire top 1 avec seulement ce fusil à pompe. Voilà, donc il faut savoir qu'on a le droit de récupérer, wow, on a le droit d'avoir des munitions. Mais on n'a pas le droit de, voilà, dégage. On a pas le droit, j'ai pas le droit, mesdames et messieurs, de switcher d'arme, en fait. Voilà, tout simplement. J'ai le droit que à cette arme. Il est où, ce bâtard? Il y a quelqu'un, là. Ok. Donc, on a le droit qu'à une seule arme et de récupérer des munitions. C'est tout. Tout le reste, c'est interdit. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, évidemment, je fouille pas trop les coffres parce qu'évidemment, on a le droit qu'à une seule arme. Alors, attendez. On va essayer de se capter. Là, il y a des munitions, par contre. Hop là, les munitions c'est intéressant. Voilà, bon, malheureusement j'ai pas eu des munitions pour mon fusil à pompe, je suis triste. Surtout que là j'ai que 13 munitions. Ah voilà, là j'en ai un petit peu plus. Donc, ok. Wow, voilà, tu dégages mon pote, voilà, putain, lui m'a fait peur encore une fois. Calmez-vous les mecs, calmez-vous. Putain, ils sont tellement stressés les mecs en fait qu'ils essayent tous de me tuer en fait. Ok, ça va bien se passer mesdames et messieurs, calmez-vous. Ok, on va voir ce qu'on peut faire, hein. Voilà, sachez-le. Attendez, on va prendre un petit mini-kit quand même. Putain, j'ai une popo, je l'ai même pas utilisé, attendez, on va l'utiliser. Hop là, alors attendez, on va se barrer, on va se mettre dans un petit coin tranquille pour essayer de faire attention à son cul quand même. Voilà, on va se mettre du côté là, là. Voilà, ici on sera bien tranquille au pepperoni. Voilà, ici c'est bien. Voilà, tac, donc petite popo tranquillement. Hop là, on est chaud, hein. On est chaud, mesdames et messieurs, on est chaud. Hop là, donc avec seulement une arme pour me protéger, il va falloir préserver les munitions, mesdames et messieurs. Donc immédiatement, voilà, nouvelle munition. Oh putain, ce début de game commence sur les chapeaux de roue, mesdames et messieurs. Alors attention. Il va quand même falloir faire très attention parce que malheureusement avec une seule arme, on est quand même assez vulnérable, mesdames et messieurs. Surtout qu'avec un fusil à pompe, on peut attaquer les gens que de près. Donc il faut faire très attention, mesdames et messieurs. On va se diriger du côté, c'est quoi, on va aller du côté là, là. Voilà, on va aller voir un petit peu l'armée qui est là-bas, là, qui nous casse pas mal les nœuds. Enfin, tu m'as compris, ça s'appelle pas l'armée, mais bon, on va faire comme si c'était, hein, voilà, l'armée, tout ça, c'est chiant, tu vois. Alors attendez, est-ce que là, il y a des munitions? Parce que oui, là, dans cette game, il faut que je fouille absolument les caisses de munitions, toutes les caisses de munitions, parce que sinon, ça va être très compliqué. Alors, est-ce qu'on a des caisses de munitions par ici? Et évidemment, non, voilà, je me suis fait... Ah non, il y en a une là, voilà, c'est déjà ça. Voilà, mais surtout, il m'a même pas donné des munitions pour le fusil à pompe, j'adore ma vie. Alors, on va s'arrêter un petit peu ici, parce qu'ici, c'est mon coin préféré, parce qu'on peut avoir du shield gratuitement. Voilà, en mangeant des champipi. Et ça, c'est vraiment super cool, ça. Hop là, champipi. Champipi, mesdames et messieurs, champipi. Voilà, pour... Putain. Voilà, pour avoir un maximum de shield. Voilà, c'est très important. Alors, attendez, parce que là-bas, il y a un coffre. Hop, voilà. Hop là, donc, tranquillement. Ok. Donc, ah, voilà. Donc, est-ce qu'on peut avoir une popo? Ah, voilà. Donc, une popo. Donc, attention, le reste, tout est interdit à part les munitions, évidemment, pour notre fusil à pompe. Là, on a encore le droit à une nouvelle popo. Donc, on va la prendre. Là, on est pas mal stuffé parce qu'on a pas mal de popo. Donc, attention. Par contre, où j'ai mis ma voiture, là? What the fuck? C'est une blague, là. J'ai paumé ma bagnole, je crois. Je suis vraiment un con. Eh, ma voiture, là! Mais elle était là, je vous jure. Elle est... Bah, ma voiture est... Ma voiture s'est barrée. Bon, bah, tant pis, on va prendre un camion. Voilà. Ma voiture s'est barrée. Mon 4x4, il est parti. J'ai pas compris pourquoi. Donc, attendez. Donc on a dit qu'on allait se diriger du côté du champ de bataille aérien, tout ça qui fait peur aux petits enfants de 4 ans, tu vois le délire. Alors attention, alors bonsoir, alors attendez, hop, voilà, on enlève ce petit pointeur. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, je vois un truc intéressant, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, mais c'est des grenades frappe aériennes, j'ai pas le droit de m'en servir non plus. Donc on va faire 100, là-bas il y a un petit lama, comme par hasard. Là, dans cette game où j'ai droit qu'à une seule arme, là je trouve un lama direct, hein, alors que d'habitude il y en a jamais. Ah ça, franchement, c'est du gros foutage de gueule, franchement je déteste les lamas. Voilà, c'est que quand ça m'arrange, hein, évidemment. Alors attendez, calmons-nous. Oh, par contre là j'aime bien le lama parce qu'il m'a donné une nouvelle popo.
J'adore les lamas. Oh putain, il y a un hélicoptère de mort. Putain, il faut que j'évite les hélicos. Putain, avec le fusil à pompe, je vais jamais pouvoir m'en sortir. Enfin, parce qu'en vrai, pour avoir les hélicos avec un simple fusil à pompe, ça va être très compliqué. Donc, on va essayer de faire attention. Donc, attendez, on va essayer d'aller voir du côté des bâtiments de Tilted Towers, même si ça ressemble plus vraiment à des bâtiments, en fait. Alors, attendez. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui se passe par ici? Il y a rien du tout. Ah, voilà, des caisses de munitions. Voilà, c'est exactement ce qu'il nous faut. Putain, on a que 24 balles, les gars. Le fusil à pompe, c'est vraiment l'arbre qu'il fallait peut-être pas vraiment choisir, en fait. Hop, voilà. Putain, il me faudrait tellement un hélico, en vrai. Hop, là, t'es... Peut-être une nouvelle popo. Non, rien de tout ça. J'ai pas de bol. J'ai pas de bol de ce côté-là. Voilà, merci. On y va. Hop là, donc on va aller voir là-bas. On va aller à gauche. Donc rien d'intéressant par là. Bon, on va aller voir par ici. Est-ce qu'on a des choses intéressantes? Alors, des munitions, c'est intéressant. Les fruits. Les fruits, on a quand même le droit d'en prendre. Donc voilà, donc c'est important. Voilà, d'avoir des petits fruits. D'ailleurs, on va en prendre un. Voilà, merci beaucoup. Hop là, comme ça, on a presque, voilà, on a 100 de shield. Ah, quasiment, ça donne que 10. Oh putain, je suis déçu. Hop là, donc attendez, là, caisse de munitions, si j'arrive à la prendre. Si j'arrive à la prendre, la compte ta mère. Voilà, merci. Ah, ben regarde, putain, 3 popos. Franchement, là, on est gâté. Alors attendez. Là, franchement, au niveau des popos, on peut dire ce qu'on veut, on est gâté. Alors attendez, hop, voilà, on fait ça pour économiser un shield. Donc par ici, donc on a dit que c'était par là. Hop là, regardons de ce côté-là. Ouais, what? Ah oui, d'accord, c'est un bordel ici. Cassez-vous de là, voilà. J'aurais peut-être dû prendre des ballons en vrai. Parce que les ballons, on peut dire ce qu'on veut. En vrai, les ballons, c'est grave utile des fois. Hop là, on va aller à l'étage. Parce qu'ici, il y a toujours des caisses de munitions par ici. Voilà. Oh oui. Oh oui, oui, oui. Du fusil à pompe, c'est ce qu'on veut. Parce qu'en même temps, on a que cette arme. Hein, donc, il est con. Hop là, on va par là. Oh, allez. Voilà, je suis allé sur l'arbre pour juste évidemment amortir ma chute, hein, tout simplement. Ah, attendez, qu'est-ce qu'on a par ici? Bah, t'as des caisses de munitions. Fusil à pompe? Non. Putain, je me suis fait avoir. Bon, ça sert à rien. Mais bon, on va quand même le prendre parce qu'on aime bien, on aime le beau jeu, tu vois. Attendez. Attendez, t'as, y a un petit coffre. T'as, y a un coffre dans la caisse, là. Incroyable. Ah, ça, c'est pas mal aussi. On va le prendre. Voilà, c'est quand même meilleur que les petites cerises, là. Hop, là. Donc, attendez. Hop. Donc, on est dans la zone, en vrai. En vrai, on a rien à se reprocher pour l'instant. En vrai, il nous faudrait tellement une bagnole, en vrai. Hop, là. T'as à prendre le bus, tiens. On est chaud. Allez, le gros bus, il est pour nous, le gros bus. Oh putain. Oh putain, le gros bus, par contre, il est tellement incontrôlable en vrai. Il est incontrôlable, le bus, en vrai. Putain, en plus, il y a la zone qui va pas tarder à arriver sur mon cul. Putain, il faut que je fasse gaffe. Attention, convoi exceptionnel. Salut le garde, ça va? Ta vie, c'est de la merde. Hop là, olé. Alors, est-ce qu'on est loin? Ouais, on est un peu loin quand même, donc il va falloir un petit peu se bouger le cul. Accélère, la compte ta mère. Non, pardon. je suis comme ça, moi. Hop là, t'es l'hélico, il est encore là. Saleté d'hélico. Putain, j'ai gagné un niveau, lol. Ok, c'est parti. Ok, on va essayer de se calmer un petit peu. Donc attendez, l'hélico est par ici. Est-ce que c'est une bonne idée de s'avancer maintenant? On va attendre qu'il sorte, hein, ce bâtard, évidemment. Ouh. Et maintenant, on y va. C'est parti. Hop là, maintenant, on y go. Voilà, il est sorti, on le sait. Donc attention, parce que l'hélico, en fait, pour l'avoir avec un fusil à pompe, c'est très compliqué. Hein, on va pas se mentir. Putain, il a repris l'hélico, cet enfoiré. Oh putain, non. Putain, du coup, il va pouvoir me viser comme il veut maintenant. Sale bâtard. À cause d'un hélico, je vais me faire baiser encore. Putain, mais ma vie, c'est trop de la merde. Bon, attendez, vous savez quoi? Hop là, on va se mettre dans un bâtiment pour se cacher un petit peu parce que sinon on va se faire violer, en fait. C'est ça qui est compliqué, tu vois. Ah, attendez. Donc, en vrai, là, on est pas mal stuffé parce que de toute manière, on peut avoir qu'une seule arme. Il nous faudrait un petit peu plus de munitions, mais malheureusement, tout a déjà été pillé ici. Putain, ma vie, c'est de la merde. Alors, attendez. Ouais, bah, y a rien du tout, en fait. Tout a été pillé, putain. C'est de la perte. Bon, bah, j'ai rien à faire ici. Voilà, sachez-le. Voilà. Allez, salut. On va faire un petit peu le tour, là, pour voir s'il y a des gens qui se cachent, hein, parmi les... Les gens qui sont en vie, en fait. Ah, putain, j'ai presque plus de munitions. D'essence, plutôt. Alors, attendez, est-ce que là, on peut gratter des popos? Ouais, on peut gratter des popos. Ça, on s'en fout. Tout le reste, on s'en bat les steaks, en vrai. Tout le reste, c'est de la merde. Hop, là, Tessa se tire dessus. Alors, attention. Ouais, c'est pas sur moi, donc ça va. Hop. Hop, là. Hop, là, chutis gros, mesdames et messieurs. Ok, on est chaud. Alors, on va essayer de gaspiller tout ce qui nous reste en essence. Avec notre putain de bus. Alors, voilà. Donc là, on a... Ok, là, on a l'armée et tout. Là, ça rigole pas. Là, ça rigole pas. Alors, attendez. Putain, il y a un bus, là. What the fuck? Ah, attendez, on va aller voir ça. Attendez, mesdames et messieurs. On va prendre de la hauteur. Même si prendre de la hauteur avec un fusil à pompe n'a strictement aucun sens. Mais bon, tu m'as compris. Non, tu m'as pas compris. Merde. Bon, ben, je te baisse, tant pis. Ok, on est chaud. Hop. Putain, il y avait un corbeau. Mais le corbeau, il sert à rien non plus. Je peux avoir qu'une seule arme, mon pote. Ah, attention. Attention, mon gars. Ok, putain, je crois que c'était un joueur. Oh, salut toi.
Tiens. Non, quoi? Mais non, c'est interdit. T'avais pas le droit de me faire ça, mon pote. Mais non, mais putain, j'avais l'avantage. Mais oui, mais il avait un meilleur fusil à pompe que moi, en fait, cet enculé. Sinon, je l'aurais démonté, sa race. Oh non, mais là, je rage, mon pote. C'est interdit, ça. Mais putain, mais allez tous vous faire niquer. Ok, il faut que je me garde mon calme. Surtout, il faut que je garde mon calme, mesdames et messieurs. Putain, avec une seule arme, putain, mais j'étais à deux doigts de me le faire, ce bâtard, là. Mais franchement, ta vie, c'est trop de la merde. Non, mais franchement, t'as raison de vivre, allez où? T'as pas de raison de vivre, mon pote. Tu regardes la télé, t'es moche. Putain, tu vois ta tête de bite sur Internet, tu ressembles à rien. Voilà, suicide-toi, prends des efferalgans, meurs, en fait, meurs. De toute façon, t'as été adopté, ta maman et ton père et ton papa ne t'aimaient pas, donc crève, en fait. Putain, qui serait payé pour élever un garçon comme toi? Tu pues, dans le vrai sens du terme. Connard. Ta gueule, maman! Tu me saoules! C'est quoi le truc, là? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on se batte? Encore une fois, mesdames et messieurs, ça se finit sur une mauvaise note! J'en ai plein le cul de jamais réussir à faire ce top 1. J'en ai fait un, mais c'était il y a 12 mois, en vrai, c'était il y a un an, c'était il y a 4 ans, wesh! Bon, en tout cas, mesdames et messieurs, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. La prochaine saison, mesdames et messieurs, arrive très bientôt, mesdames et messieurs. Donc, on va pouvoir faire toujours plus de vidéos sur Fortnite. J'espère que vous êtes impatients parce que moi, je suis. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Gros bisous, ciao, ciao! Vive la sodomie! Tom Sawyer, je te banne. Allez, tu dégages.